me home. No solo Maryland. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. C'est La Réunion, Éric Le Gaulle, Galago Musique. Aujourd'hui encore à Saint-Pierre, du côté du quartier de Terre Sainte. Donc nous sommes le long de la rivière d'Abord, sous un très joli kiosque avec des banians, comme ça, les arbres qui sont là, ils sont magnifiques. Et je me suis dit que ce serait un cadre idéal pour vous expliquer le morceau So Long Marianne, du compositeur et poète canadien Leonard Cohen, qui nous a quittés encore cette année 2016. C'est vraiment l'année de toutes les disparitions. Et je tenais à rendre hommage à ce grand monsieur de la chanson, en traitant aujourd'hui donc So Long Marianne, un titre que vous trouverez sur son album Songs of Leonard Cohen, sorti en 1967. Et pour la petite histoire, la Marianne de la chanson est en fait Marianne Hillen, qui était vraiment sa muse. Celle-ci nous a quitté également en 2016, et quelques jours avant sa mort, Leonard Cohen lui avait envoyé un message que je vais vous lire et traduire en dessous. Know that I am so close behind you that if you stretch out your hand, I think you can reach mine. Goodbye old friend, endless love, see you down the road. Ouais, donc je sais, ça fout un petit peu les boules, mais je trouvais ça quand même très très beau. Alors petite transition un peu plus gaie avant de passer aux explications, je voulais remercier, faire un coucou à Elliot et son papa Mathias qui m'a envoyé un super cover, trop mignon. Bah donc du coup ça me fait plaisir de leur passer un petit coucou et surtout continuer à jouer en famille. Allez, fini les présentations, je me rapproche et je vous montre un petit peu tout ça. Pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, déjà que le prologue était un petit peu prenant, voici le listing de tous les accords dont vous aurez besoin pour jouer ce morceau. Alors avant de vous montrer dans quel ordre on joue tous ces accords, je voudrais déjà vous montrer la rythmique de main droite. Donc c'est un peu une réinterprétation acoustique, hein, de manière à ce que vous puissiez jouer ce morceau tout seul et que ça sonne très bien. Alors la rythmique que j'ai utilisée donne ça. Alors dans le détail, il y a deux mesures différentes. La première mesure donnerait ça. Ba, 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 ba. Fin de la première mesure. On pourrait utiliser cette rythmique tout le long du morceau, juste ça déjà, ça marcherait très bien. Ba, 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 ba. Fin de la mesure. Ba, 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 ba. Au niveau des grattes, moi je le fais au doigt comme ça. Les descentes, je le fais avec l'index. Et le remonté, je le fais au pouce. On pourrait le faire au médiator, hein, ça marcherait très bien aussi. Si on devait le compter, 1, 2 et 3, 4, 5, 6. Do it again. 1, 2 et 3, 4, 5, 6. 1, 2 et 3, 4, 5, 6. Il y a une deuxième mesure qu'on peut rajouter derrière, parce que les accords qu'on va trouver sont souvent joués deux mesures d'affilée. Donc du coup, pour varier un petit peu, moi, ma deuxième mesure de main droite, je fais ça. Quasiment pareil. Ba, 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 six. Ba, 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 ba. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je le compte, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6. J'ai rajouté un aller-retour, en fait. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6. Qui fait que si on joue la mesure 1 plus la mesure 2 d'affilée, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, voilà, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6. Donc là c'est pareil, si vous avez envie, vous pouvez prendre que la deuxième mesure, la faire tourner en boucle tout le long du morceau, mais si vous voulez varier un tout petit peu, vous faites la mesure 1 plus la mesure 2 sur les accords que je vais vous montrer. Alors, juste un petit détail concernant l'accord de La majeur, la plupart des gens le jouent comme ça, ça marche très très bien, 2, 2, 2, des cordes de Ré, Sol, Si. Moi perso, j'ai pris l'habitude, quand j'étais plus jeune, de le faire comme ça, un petit pâté de doigts, comme si c'était un Ré majeur, mais tout condensé sur la deuxième case. Donc si vous voyez cette espèce de tas de doigts comme ça, vous savez que c'est mon La majeur. Voilà. Donc pour la première moitié du couplet, on va trouver deux mesures de La, deux mesures de Si mineur, deux mesures de Ré et deux mesures de La, ce qui va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 4, 5, hop, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 1, 2 et 3, 4, 5, hop. Et on revient en là. Voilà. Faut juste repérer qu'à la fin de la deuxième mesure, sur les derniers 6, c'est-à-dire première mesure, bas, 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 4, 5, 6, là tout va bien, on fait rien du tout. La deuxième mesure, 1, 2 et 3 et 4, 5, je dis hop. Gratte à vide et j'enlève tous les doigts ici de manière à préparer, à avoir le temps de placer la corde après. Et vous pouvez faire ça sur tous les accords, donc genre entre le La et le Si mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 et 3 et 4, 5, hop. 3, 4, 5, 6, 1, 2 et 3 et 4, 5, hop. Le Ré majeur. 4, 5, 6, 1, 2 et 3 et 4, 5, hop. On revient en La.
deuxième partie du couplet, on va faire un sol. Après ré majeur, c'est toujours deux mesures, ça c'est cool. Après fa dièse mineur. Et on termine le couplet par deux mesures demi. 5, hop, fin, et on va attaquer le refrain. Je vous refais une petite fois ce couplet. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, hop. 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 Ré sol. Après ré. Attaquer le refrain. Alors le refrain il est plus court, il est même deux fois plus court que le couplet, ça va donner ça, deux mesures de la majeur, deux mesures de fa dièse mineur, et après on va alterner mi majeur et mi quarte suspendue. Alors ça va donner ça, la majeur, fa dièse mineur, et alternance de mi, quarte suspendue, quarte suspendue. Refrain. Alors où placer ce mi quarte suspendue? Quarte suspendue, c'est quand on rajoute le petit doigt sur la corde de sol, hein, ici, juste devant l'index en deuxième case. C'est comme si on faisait ça, en quelque sorte, voilà. Sauf que vous laissez bien l'index enfoncé, parce que comme ça, vous pouvez alterner tranquillos. C'est plus pratique. Et l'idée, c'est de faire 1, 2 et 3, 4, 5, 6. Dès que vous êtes sur la quatrième croche de la mesure, vous placez cette quarte suspendue et vous l'enlevez après le 4, 5, 6. Genre 1, 2 et 3, 4. 5, 6, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6. Voilà, cette mesure-là, vous allez la faire 4 fois de suite. 1, 2 et 3, 4, 5, 6. Deuxième mesure. Troisième mesure. Quatrième mesure. Fin du refrain. Ah ! Tout le refrain. Hop. Hop à la fin, ça fait bizarre quand on s'arrête dessus. Et pour sortir de là, on va avoir une espèce de outro, on va dire, ou un post-refrain qui va donner ça. Comment j'ai fait? Là, je vais donc, alors je vais prendre la forme d'un la majeur normal, parce que sinon peut-être c'est un peu compliqué à visualiser. Il s'agit de faire la majeur, ensuite la seconde suspendue, c'est quand on enlève celui-là. Après on reviendrait sur un La majeur et après La quarte suspendue. On rajoute le petit doigt sur la troisième case de la corde de Si. D'accord ? Et on va le placer comme ça. 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-là il est pas facile. Sur la sixième croche de la dernière mesure, il faut bien revenir avec le petit doigt en troisième case ici. Donc. Tout le refrain une petite fois avec cette partie-là d'affilée. Troisième mesure. Post-refrain. Voilà. Petite démo depuis le début pour terminer. Si mineur. Sol, deuxième partie du couplet. Fa dièse mineur. Post-refrain.
voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou même vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à découvrir ma chaîne secondaire, au cas où vous ne la connaîtriez pas, qui s'appelle Les Galago Chroniques, voilà, qui raconte un petit peu l'histoire des morceaux les plus connus, les riffs, tout ça, tout ça. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. À bientôt, ciao.